Lord. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Ta réponse viendra du ciel. Ton miracle viendra du ciel. Tes provisions viendront du ciel. Tes provisions viendront du ciel. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Aussi élevée que ces étoiles, telle sera ta postérité. Aussi proche que le ciel, que sont ces étoiles, telle sera ta postérité. Aussi lumineuse et radieuse que sont ces étoiles, telle sera ta postérité. Aussi nombreuses et innombrables que sont ces étoiles, telle sera ta postérité. Telles que sont intouchables les étoiles, personne ne peut les atteindre par des flèches, telle sera ta postérité. Quelqu'un me donne Amen. Abraham eut confiance en l'Éternel. Il n'avait jamais entendu quelque chose de pareil. C'était la première fois. Dieu dit, regarde vers le ciel. Compte les étoiles, si tu peux les compter. Et aussi nombreuses, innombrables, élevées, inatteignables, intouchables, invincibles. Que sont ces étoiles? Telle sera ta postérité. Il eut confiance en l'Éternel. Il eut confiance en l'Éternel. Qu'il le lui imputa à justice. Le Seigneur nous parle ce matin sur le thème « Ne crains point, la promesse est toujours bonne. » Ne crains point, la promesse est toujours bonne. La promesse qu'il avait faite à Abraham, il la donne à la postérité d'Abraham. Et le Seigneur dit aujourd'hui pour toi et pour moi, chaque promesse que nous lisons dans la parole de Dieu, telle qu'elle avait été, elle est là, même aujourd'hui, elle est toujours bonne. Elle sera bonne dans ta vie au nom de Jésus. Trois choses à considérer avant la prière. Premier point donc, la promesse permanente de sa promesse. La promesse permanente de sa présence. Deuxième point. La promesse rassurante de sa puissance. La promesse rassurante de sa puissance. Troisième point. La promesse ascendante. C'est-à-dire montante, croissante. Ce que tu as eu hier, Dieu va encore en ajouter davantage. Ce que tu vas avoir aujourd'hui, Dieu va encore ajouter dessus. La promesse ascendante de sa provision. Premier point. La promesse permanente de sa présence. Permanente. La promesse permanente de sa présence en Exode. Au chapitre 33. Verset 14, Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Il dit, tu ne seras plus jamais dans un coin confiné où tu ne me trouveras pas. Ma présence sera avec toi. Tu ne feras pas face à un défi. Et tu ne me verras pas à côté. Ma présence sera avec toi. Tu ne seras pas un carrefour où je ne serai pas avec toi. Ma présence sera avec toi. Il n'y aura pas de tentation, d'épreuve, de problème. Si élevée et si grande que tu ne verras pas ma puissance, ma capacité, mon soutien et ma victoire. Ma présence sera avec toi. Tu ne vas jamais traverser une rivière, tu ne vas jamais grimper une montagne où tu ne verras pas ma puissance suffisante pour toi, parce que ma présence sera avec toi. Et je te donnerai du repos.
tu auras du repos. J'ai dit, tu auras du repos. Tous les défis, tous les mouvements, tout ce qui trouble dans la vie, le repos est venu maintenant pour toi. Ésaïe 41. Lisons le verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains point. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un là-bas aujourd'hui? Quelle est ta crainte? Pourquoi est-ce que ton cœur bat si fort? De quoi te rappelles-tu? Et qui amène ton esprit, ton cœur à être vraiment abattu? Quelle est la puissance de l'ennemi? Quels sont les défis auxquels tu es confronté? Est-ce que ce sont les menaces du propriétaire? Ne crains pas. J'ai dit ne crains point. Rappelle-toi, je me rappelle il y a des années, quelqu'un était venu me voir à la fin d'une des sessions. Après l'un de mes messages, il m'a dit, j'ai des problèmes. J'ai dit, quel est le problème? Il m'a dit, quelqu'un m'a envoyé une lettre. Il dit, j'ai des problèmes. J'ai dit, quel est ton problème? Il dit, quelqu'un m'a écrit une lettre avec un bic rouge. Quand j'ai lu la lettre, j'ai perdu mon esprit. Il est venu ramasser tous mes biens. Quand je suis rentré à la maison, tout était vide dans ma maison. Alors, je vais de maison en maison. Je vais d'ici là, cherchant une solution. Je lui ai dit alors, ne crains rien. Et je te dis ce matin, ne crains rien. Cet ennemi est déjà vaincu au nom de Jésus. Alors je lui ai dit, Dieu t'a déjà touché. Mais je lui ai dit, il y a telle chose dans ta vie, telle que Dieu me l'a révélé. Règle cela et reviens le soir, dans la session du soir, je vais prier pour toi. Et il est parti avec cette compréhension. Ne crains rien. Et les choses que je lui ai dit, il n'a pas argumenté. Il n'a pas dit, mais comment est-ce que tu peux savoir ça? Je te vois pour la première fois, non? Il est retourné à la maison et dans l'après-midi, il a tout réglé ces choses-là. Il est revenu le soir et j'ai dit, maintenant nous sommes prêts à prier. Il a dit, je n'ai plus besoin de prière. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit, quand j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire, l'insanité a disparu. Maintenant, au lieu de prière, je veux te donner un témoignage. Je regarde quelqu'un là-bas ce matin. Tu as un témoignage. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Il est ton Dieu. Je te fortifie. La faiblesse est partie. La faiblesse est partie. Est-ce qu'il y a une part de ton corps où il y a une maladie, une faiblesse, tout est parti au nom de Jésus. Il dit, oui, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La présence de Dieu. Le Seigneur a promis être avec toi. Il ne va jamais te délaisser. Et cette promesse est toujours bonne aujourd'hui. La promesse permanente de sa présence. Deuxième point. La promesse rassurante de sa puissance. La promesse rassurante de sa puissance. Il n'a pas changé et il nous rassure. Qui nous donne la puissance. Il te donne la puissance ce matin. Ton heure a sonné. Pour que tu regardes Nebuchadnezzar face à face dans les yeux. Parce que maintenant, il y a la puissance. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, alors de qui as-tu peur sur la terre? Comme tu partiras d'ici aujourd'hui, cette promesse de la puissance permanente, de la puissance rassurante, ne va jamais faillir dans ta vie au nom de Jésus.
Voyons ceci en Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici, dites-moi la suite. Est-ce que c'est comme ça, d'ailleurs, puissant parle maintenant? Voici. Vous savez, tout au long de votre vie, avant d'être sauvé, vous avez la tête toujours baissée. Quelqu'un qui vous rencontre, parce que vous avez beaucoup d'histoires de votre grand-mère. Oh, il y a certaines personnes comme ça, ils ont telle puissance. Des gens comme ça, ils ont tel pouvoir. Des gens comme ça, ils ont tel pouvoir. Et comme on est en train de grandir, quelqu'un que tu rencontres, tu les compares aux histoires de grand-maman, aux histoires de grand-papa. Et avec les histoires que tu as entendues des autres personnes. Et il dit, oh, voici comment ils agissent, voici comment ils ressemblent. S'ils agissent comme ça, ils font comme ça là. Ah, voilà ce qui va se passer. Et comme tu grandissais, tu as ajouté tes informations et tu as ajouté également tes idées. Et maintenant, tu as peur de tout le monde. Si un cancre là passe, tu as peur. Si il y a un petit vent qui tourne avec la poussière, tu as peur. Ah, ils sont là, hein, ils sont là, hein. Et maintenant, tu as entendu beaucoup parler de démons, parler des mauvais esprits, tellement parler de Satan. Tu as tellement entendu, mais tu n'as pas entendu parler de Jésus. Mais maintenant, les choses sont en train de changer. Tout ce qui avait amené la peur dans ta vie jusqu'à ce jour, tout est annulé au nom de Jésus. Et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que vous pouvez imaginer? Ces apôtres pouvaient imaginer l'un de ses disciples et ayant peur de tel puissant des ténèbres, de tel homme occulte, de telle autre chose dont toi tu as peur. Est-ce que tu peux imaginer un croyant du Nouveau Testament se promenant et ayant peur de tout et de tout le monde? Non, parce qu'il a la puissance. Toi tu as la puissance ce matin. J'ai dit, tu as la puissance ce matin. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ils ne vont pas marcher sur toi. Ils ne vont plus ramper sur ta vie. Dans la journée, dans la nuit, tu es un vainqueur. Tu marcheras sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Rends cela personnel, rends ça personnel, et rien ne pourra me nuire. Est-ce que tu crois cela? Quelqu'un a dit, depuis que j'ai cet emploi, des gens me pourchassent. Et ils veulent me tuer. Ils ne peuvent pas te tuer. Regardez la folie de l'homme dans la parole. Dieu ton père a planté l'arbre, a créé l'arbre. Ton père a fait pousser l'arbre avec les branches et les feuilles. Et il va prendre ce que ton père a créé, les branches et les feuilles, et mélange tout maintenant. Et quelqu'un lui demande, qu'est-ce que tu veux faire avec cela? Je veux tuer un enfant de Dieu avec quelque chose que Dieu a créé. Je ris seulement. J'ai dit, je ris seulement. Qu'est-ce que toi tu fais? Comment tu ris? Il ne peut pas utiliser ce que ton père a créé pour te tuer. Ça, ce n'est pas le récit pour lequel Dieu a créé l'arbre et les feuilles. Il t'a donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et dis-moi la suite là. Et rien ne pourra me nuire. Amen. Éphésiens, au chapitre 3,
En Éphésiens au chapitre 3, lisons ici à partir du verset 20. Éphésiens, chapitre 3, voyons à partir du verset 20. Il dit, verset 20, « Oh, ta bénédiction c'est quand ? Maintenant, à celui qui peut, cette capacité est toujours la même. Dieu n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Maintenant, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout ce que nous pensons. Selon la puissance qui agit où? Dans ton cerveau, dans ton organisme, dans ton corps, dans ton âme, dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille. La puissance va agir en toi aujourd'hui. Tout ce qui est chaud là-bas va refroidir. Tout ce qui est mort là-bas va reprendre vie. C'est pas la puissance qui agit en nous. Est-ce que tu as vu agir, ce mot agir, ça veut dire que ça agit maintenant, comme je prêche, ça agit maintenant. Maintenant, comme tu écoutes, ça agit aussi. Maintenant même, comme tu crois, Dieu, ça agit. Cette puissance va continuer à agir dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point. La promesse ascendante de sa provision. Vous voyez, la provision de Dieu, vous ne pouvez pas épuiser la mer ou l'océan de la provision de Dieu. Il pourvoit. Et comme vous évoluez, quand vous êtes venu, les eaux de la rivière atteignaient vos chevilles. Maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup encore. D'où cela est venu? Maintenant, vous avancez, ça atteint vos genoux. Et vous savez qu'il y a encore beaucoup d'où la bénédiction est venue. Et vous avancez encore, et ça atteint vos hanches. Et maintenant, vous savez qu'il y a encore beaucoup à venir. La profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur des bénédictions de Dieu est immesurable. Et par conséquent, elle continue à s'accroître. Elle continue à s'accroître. Et autant que tu pourras prendre, il y a le salut. Autant que tu pourras prendre, il y a la guérison. Autant que tu pourras prendre, il y a la délivrance. Autant que tu pourras prendre, il y a la sainteté, la justice et la sanctification. Autant que tu pourras prendre, il y a la puissance. L'immersion dans le Saint-Esprit, comme tu continues en avançant dans l'océan de la provision de Dieu, tu verras que l'eau atteint ta hanche, atteint ton cou, atteint et te plonge totalement. Et tu es submergé totalement, submergé dans la mer et dans l'océan des bénédictions de Dieu. Inépuisable, il t'attend aujourd'hui. J'ai dit, il t'attend aujourd'hui, inépuisable. C'est inépuisable en Romains, au chapitre 8, verset 32. Romains 8, verset 32. On dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Nous tous, pour nous tous, souligner ce mot, le salut pour nous tous, sanctification pour nous tous, guérison pour nous tous, délivrance pour nous tous, domination pour nous tous, sanctification pour nous tous, baptême, la puissance du Saint-Esprit pour nous tous, tout ce que Jésus-Christ est mort pour pouvoir sur la croix du calvaire, est disponible et dit comment ne nous donnera-t-il pas aussi, nous donnera combien de choses? Est-ce que je peux vous entendre? Est-ce que vous m'entendez?
nous donnera aussi toutes choses. Il va te donner. Tout est à toi aujourd'hui. Et toutes ces choses sont pour toi aujourd'hui. La paix de Dieu pour toi aujourd'hui. La pureté pour toi aujourd'hui. La puissance pour toi aujourd'hui. Ses provisions pour toi aujourd'hui. Psaume 81, verset 10. Psaume 81, verset 10. Est-ce que vous êtes là maintenant? Ouvrez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. Psaume 81. Est-ce que vous êtes là? Verset 11, Louis second. Dites-moi ce qui est là, la première phrase. Qu'est-ce que vous voyez là? Je suis, le grand je suis, je le suis. Il n'a pas changé, il ne change jamais. Et la promesse est toujours bonne aujourd'hui. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Dites-moi la suite maintenant. Dites-moi la suite, ce que vous voyez là. Criez-le à haute voix. Que Satan ne ferme pas votre bouche. Criez à haute voix. Que la crainte ne ferme pas ta bouche à haute voix. La suite. Ouvre ta bouche. Et je la remplirai. Dieu dit, quelle que soit la grandeur de ta bouche ouverte, Dieu va te bénir, te bénir ce matin. Et Dieu va rendre tes bénédictions débordantes dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Ouvre ta bouche grandement. Il ne faut pas bâiller. Dis quelque chose. Dis-lui ce que tu veux. Dis ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Et les bénédictions vont venir de façon multipliée dans ta vie aujourd'hui même, au nom de Jésus. Deuxième chronique, chapitre 20. Deux chroniques, chapitre 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche. Dites-moi, ils se mirent comment? Où sommes-nous maintenant? Très tôt le matin. Ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Nous sommes sortis de la ville, affairés de la ville. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Vos bénédictions sont affermies. Le salut est affermi. La sanctification sera affermie. La puissance de notre sera affermie. La guérison est affermie. La délivrance est affermie. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous aux déclarations de ces prophètes. Croyez en elles et vous réussirez. Ce moment est venu. Ne crains point. La promesse est toujours bonne. Ne crains point. La promesse est toujours bonne. Maintenant, tu vas te lever et ouvre ta bouche grandement. Et Dieu dit, je la remplirai. Ouvre ta bouche maintenant grandement. Et je la remplirai. Nous sommes maintenant à un moment très sérieux de la prière. Ton heure a sonné. Ouvre ta bouche maintenant. Ouvre ta bouche maintenant. Est-ce que tu as besoin du salut? Ouvre ta bouche grandement. Tu veux la sanctification? Ouvre grandement ta bouche. Tu veux la guérison? Ouvre grandement ta bouche. Tu veux la délivrance? Ouvre grandement ta bouche. Parle au Seigneur. Ce que tu veux qu'il fasse. Ces craintes que tu as. Ton cœur qui bat, cette timidité qui t'assaille, Dieu dit maintenant, ouvre ta bouche grandement, et je vais la remplir, quelque chose que tu veux qu'il fasse pour toi. Tu es devant le Seigneur ce matin, crois en l'Éternel ton Dieu, crois aux promesses de Dieu, et que ces promesses soient affirmées dans ta vie,
Abraham a cru en Dieu et cela le fit imputer à justice. Parle, parle au Seigneur. Sois victorieux dans ta vie. Tu n'étais pas victorieux par le passé sur le péché. Tu n'étais pas victorieux sur les tentations. En privé, tu n'étais pas victorieux. Dans ta vie personnelle, parle au Seigneur. Et avec une conversion authentique. Une conversion authentique. J'ai besoin de la grâce pour aller, pour ne plus pécher. Parle au Seigneur. Il dit, je ne te condamne pas, pas pour le passé. La grâce de Dieu est disponible. La bonté de Dieu est disponible. La grâce, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Ouvre ta bouche grandement. Il va te pardonner. Ouvre ta bouche grandement. Il va transformer ta vie. Ouvre ta bouche grandement. Il te donnera la puissance pour mener une vie au-dessus du péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ouvre ta bouche grandement. La justice viendra avec son salut. Une vie pure viendra avec ce salut. Une conscience propre viendra avec ce salut. La grâce pour mener la vie de justice. La grâce pour mener, pour corriger tout chose dans ta vie. La grâce pour restaurer. La grâce pour faire la restitution. La puissance pour mener une vie victorieuse. Il te la donnera. Ouvre ta bouche grandement. Et je la remplirai. Le salut dans ton âme. Le salut dans ton esprit. Le salut dans ton cœur. Un type de salut qui t'a mené à vivre juste dans, justice, dans la justice. Dans la piété, le type de justice qui t'amène à vaincre le monde. Ouvre grandement ta bouche et je la remplirai. Un type de salut qui amène ta vie transparente. Qui rend ta vie bonne. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le salut, il sauvera ton âme. Donnera la grâce de mener une nouvelle vie. Ce sera une vie consacrée à Dieu, une vie soumise à Dieu. Parle, parle au Seigneur, ouvre grandement ta bouche. Ouvre grandement ta bouche. Ouvre grandement ta bouche. Ouvre grandement ta bouche. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu dois te repentir? Repens-toi. Parle au Seigneur. Ouvre grandement ta bouche et je la remplirai. Le vrai salut. Le salut qui amène à l'obéissance. Le salut qui amène la soumission à la parole de Dieu. Le salut qui manifeste du respect au nom et à la maison de Dieu. Le salut qui vient avec la justice. Le salut qui vient avec la soumission à la parole de Dieu. Ouvre ta bouche grandement. La puissance pour mener une nouvelle vie. Il te la donnera. Le salut que les gens avaient au temps de la Bible. Le salut qui était remarquable. Un changement, une transformation dans leur vie. Parle au Seigneur. Ça, c'est le type de salut qui donne, il n'a pas changé. La promesse est toujours bonne. Et il demande à Dieu. Et il te donnera. Il donne le salut.
Il donne la guérison. Il donne la délivrance. Parle au Seigneur. Notre Dieu est capable. Capable de faire tout ce que nous demandons. Dieu, est-ce que tu demandes la guérison? Il est capable. Est-ce que tu demandes la délivrance? Il est capable. Est-ce que tu demandes la puissance? Il est capable. Est-ce que tu demandes l'onction qui brise les jougs? Il est capable. Or, à celui qui peut faire infiniment, au-delà de ce que nous demandons, du salut, la justice, à la sanctification, à la sainteté, à la pureté de cœur, tout ce que nous demandons, le billet pour aller au ciel, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il est capable, capable de faire, capable de faire, capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Parle au Seigneur. Il t'a invité à demander. Il a dit qu'il le fera. Ce changement viendra. Cette transformation viendra. Cette nouvelle vie viendra. La puissance viendra de l'intérieur. Tu sauras que je ne pouvais pas faire ce que je ne fais plus que je faisais. Je ne fume plus tel que je fumais avant. Je ne peux plus boire comme je buvais avant. Je ne peux plus maintenir une relation souillée avec un homme, avec une femme, comme je le faisais. Les choses sont différentes maintenant. Qui te donne cette puissance? Qui apporte le changement dans ta vie? Si tu demandes, ouvre grandement ta bouche et je la remplirai. Remplirai de salut, je la remplirai de grâce, je la remplirai de puissance, je la remplirai d'assurance, je la remplirai d'une nouvelle vie, la nouvelle vie qui t'amène à vivre la vie d'un vrai enfant de Dieu, sobre, sérieux, obéissant, soumis, abandonné et soumis à la parole de Dieu, sa présence. Il dit qu'il sera avec toi. Et si sa présence est avec toi, il va détruire toutes les puissances. Il va détruire toutes les personnalités qui essaient d'agir contre ta vie. Ouvre ta, grandement ta bouche et je la remplirai. Ouvre grandement ta bouche et je la remplirai. La balle est dans ton camp. Le résultat final est dans tes mains. Ce que tu auras dépendra de ce que tu demandes. Le salut qui nous a franchi du péché, il est notre sauveur. Il a la porte de ton cœur et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il viendra communier avec lui, lui donnera une nouvelle vie, la vie du ciel, la vie de la gloire, une nouvelle vie, une vie juste. Il te la donnera. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Et l'Esprit de Dieu rend témoin à ton cœur que tu es sauvé. Avance, avance. L'océan de la grâce de Dieu est profond. L'océan de la provision de Dieu est si profond. Si tu es seulement sauvé, tu es encore au rivage. Avance. Jusqu'à ce que les eaux atteignent tes genoux,
ta hanche et te submerge complètement. Il nous revêt de puissance, la puissance d'en haut, la puissance qui t'amène à tenir fermement, sans compromission, et la puissance qui te pousse à vouloir faire toujours du bien, peu importe le défi, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, et témoins intrépides. Des témoins persuasifs. Des témoins fermes. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parle au Seigneur. Ouvre grandement ta bouche et je la remplirai. Quelles sont ces choses que Dieu veut que tu corriges? Fais ta restitution. Parle au Seigneur, donne la grâce. Tu as besoin d'une conscience sans reproche pour demeurer en communion avec Dieu. Tu as besoin d'une conscience sans reproche pour demeurer dans le service du Seigneur, un sacrifice acceptable. Tu as besoin d'une conscience sans reproche pour marcher sur la voie du ciel et pour aller au ciel. Tu as besoin de la grâce pour corriger les choses dans ta vie. Demande la grâce. Il va te fortifier, te donner de l'énergie, te revêtir de puissance pour faire ce qui est bien et pour vivre tel que les Écritures le demandent, tel que le croyant doit vivre. Oh, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Le temps de la retraite, c'est le moment de la prière. Priant pour les choses qui comptent. Priant pour les choses importantes. Priant pour les choses spirituelles. Si c'est seulement dans ce monde que nous espérons en Christ, nous serons de tous les hommes les plus misérables. Mais si nous espérons le ciel, espérant, communier avec lui, c'est une grande espérance. Parle au Seigneur. Je ne veux pas rester faible tel que je l'ai été. Je veux être fort spirituellement. Plus de questionnement dans ma pensée. Plus d'interrogation. Pourquoi ci et pourquoi ça? Marchant comme pèlerin sur la voie de la sainteté, sans regarder en arrière, donne-moi la force, donne-moi la puissance, donne-moi l'onction qui brise les jougs, et aide-moi à vivre en confiance dans la justice, dans la sainteté, tous les jours de ma vie. Parle au Seigneur, la grâce est disponible. C'est la raison de la retraite. Une nouvelle vie. Une vie plus élevée. Une vie plus profonde. Une vie plus juste. Une vie renouvelée. Une vie transformée. La puissance pour vivre courageusement, selon la parole de Dieu. Ouvre ta bouche grandement. Et je la remplirai. Sois sûr que tu es sauvé
évolue, veut sanctifier ton cœur. Il veut purifier ton cœur. Il veut t'amener à vivre honnêtement, de façon transparente, selon l'attente de notre Dieu Saint. La sainteté dans la famille, la fidélité au mari, la fidélité à ta femme, fidélité à la parole de Dieu, parle au Seigneur, la puissance pour avoir ce changement, cette transformation de vie, sa présence. Vive dans sa présence en tout moment. Tu ne feras pas ce que tu ne vas pas vouloir voir. Tu ne diras pas ce qu'il ne va pas vouloir entendre. Parce que tu es en sa présence à tout moment. Il veut que tu vives sans crainte. Dans la sainteté, dans la justice, devant lui. Tous les jours de ta vie. Ouvre ta bouche grandement et je la remplirai. La promesse ascendante de la provision de Dieu. Tu as eu assez, non? Tu en as besoin de plus. Seigneur, donne-moi plus. Parle au Seigneur. Qui te plonge, qui t'immerge dans cet océan de la provision de Dieu. Qu'il fasse l'opération dans ton cœur, l'opération dans ton âme, l'opération dans ton corps. Parle au Seigneur d'accomplir toutes les promesses qu'il a faites. Il dit, je suis Dieu et je ne change pas. Je suis Dieu et je ne change pas. Et les promesses n'ont pas changé. Les promesses n'ont pas changé. Il peut adoucir ton cœur. Il peut subjuguer ton cœur. Il peut sanctifier ton cœur. Il peut te transformer et te mettre dans la bonne direction. Parle au Seigneur. Ô Seigneur, me voici. Je veux te servir dans la sainteté, te servir dans la justice, te servir avec courage, te servir avec conviction. Il t'a commandé d'ouvrir grandement ta bouche. Et il a promis qu'il va la remplir. Sois sûr de ton salut avant d'arrêter. Sois défini par rapport à l'esprit de ta sanctification avant d'arrêter. Qu'il y ait un témoignage divin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Pour que tu ne sois pas comme un vase vide. Qui se balade sans être rempli. Sans recevoir l'énergie. Sans recevoir la puissance. Pour que tu ne te balades pas sans être revêtu de la puissance d'en haut. Parle au Seigneur. Il t'a commandé d'ouvrir grandement ta bouche. Fais-le. Prie en le faisant. Pour chercher sa face de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Fais-le. Tu me chercheras, tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur.
Il veut renouveler ta vie. Fais qu'il le fasse. Il veut réveiller ta vie. Qu'il le fasse. Il veut te donner de la vigueur, te donner de l'énergie. Qu'il le fasse. Afin que tu puisses vivre à un niveau plus élevé que, plus que par le passé, plus élevé dans la conviction, plus élevé dans la nouvelle vie, plus élevé dans la justice, plus élevé dans l'obéissance à la parole de Dieu, par le Seigneur. L'Éternel a exaucé nos prières au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Ne crains point, la promesse est toujours bonne. Seigneur, nous prions, toute forme de crainte soit bannie au nom de Jésus. Toute promesse que tu as faite sur le salut, toute promesse que tu as faite sur la justice, toute promesse que tu as faite sur la sainteté, la sanctification, toute promesse que tu as faite sur la puissance du Saint-Esprit, toute promesse que tu as faite sur la guérison, la délivrance, confirme-le dans chaque vie au nom de Jésus. Fais ton œuvre dans chaque vie. Opère, fais l'opération dans chaque cœur. Touche chacun. Et que l'abondance des besoins de Dieu coule sur chacun au nom de Jésus. Toute promesse que tu as donnée, nous avons entendu. Et nous avons ouvert nos bouches. Nous t'avons parlé. Confirme-le dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions.